Il y a 50 000 ans, les protéens étaient la seule espèce à pouvoir voyager dans la galaxie. Ils disparurent lors d'une brutale extinction galactique. Les seuls vestiges de leur empire sont les relais cosmodésiques et la citadelle, qui ont permis à de nombreuses espèces d'explorer la galaxie et de s'étendre. On trouve des ruines protéennes sur de nombreuses planètes à travers la galaxie. Bien qu'étonnamment intactes pour leur datation, les exemples de paléotechnologie protéenne fonctionnelle sont rares. Avec l'œuvre du temps et des générations de pillards, leurs villes et stations abandonnées ne sont plus que des coquilles vides. Certaines thèses prétendent que les protéens seraient intervenus dans l'évolution des races les plus jeunes. Sur Kagé, la planète d'origine des Anari, on trouve ainsi des traces évidentes d'une ancienne occupation protéenne. De même, la découverte d'un ancien poste d'observation protéen sur Mars a provoqué une recrudescence de théories sur une possible intervention extérieure dans l'évolution de l'espèce humaine. Selon ces théories, les mythologies et religions des civilisations anciennes seraient en fait des erreurs d'interprétation de rencontres du troisième type bien réelles. Les relais cosmodésiques sont des exploits technologiques protéens qu'aucune espèce vivante ne saurait égaler ou reproduire. De même qu'à l'échelle planétaire, la géodésique désigne le chemin le plus court entre deux points géographiques, ces gigantesques structures disséminées à travers l'espace peuvent créer des couloirs d'espace sans gravité permettant un déplacement instantané entre deux points que des vaisseaux SLM conventionnels mettraient des années, voire des siècles à parcourir. Lancement d'une sonde.